monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une journée dans mon assiette. La première édition vous avait beaucoup plu, donc voilà, je vous fais celle-ci vu que vous m'avez beaucoup demandé une deuxième vidéo. Donc tout d'abord, le petit déjeuner, je mange une tartine de pain complet que je fais griller et des œufs brouillés. Donc je mets un œuf entier et deux blancs d'œufs que je viens mettre dans une poêle directement et que je remue sans cesse pour faire une brouillade d'œufs. Une fois que ma tartine est prête, je la mets tout simplement dans une assiette et je viens verser mes œufs par-dessus. Et ensuite, je viens mettre un petit peu de sirop d'érable, mais vous pouvez mettre du sirop d'agave ou du miel. Et je viens saupoudrer avec un petit peu de noix de coco, d'amandes effilées, mais libre à vous de mettre ce que vous préférez. Ensuite, vers 10h, j'ai toujours un petit creux, donc je mange une petite collation. Et en ce moment, je prends une petite poignée de super fruits, c'est des fruits secs avec des baies de goji, des cranberries, des mulberries, etc. qui viennent de chez Valais Bio. Je vous mettrai un code promo si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore picorer. Ensuite, pour le déjeuner, donc je vais me faire un émincé de poulet aux épices. Donc je vais tout simplement couper mes filets de poulet en petits morceaux que je vais mettre dans une poêle. Et que je vais faire cuire à feu doux pour commencer, à feu moyen pour les faire un petit peu dorer. Pendant ce temps-là, je mets une casserole d'eau à chauffer. Et une fois que mon eau bout, je vais venir faire cuire du quinoa pendant une dizaine de minutes. Ensuite, une fois que mon poulet est bien doré, je vais ajouter mon soja cuisine. Donc je mets à peu près un tiers de la boîte, donc ça fait à peu près 100 ml. Et ensuite, je vais venir ajouter des épices. Donc là, je mets un mélange oriental exprès pour tagine et couscous à la base, mais qui est vraiment super bon. Et ensuite, je viens rajouter un petit peu de curry également pour faire vraiment un poulet bien épicé et vraiment super super bon. Une fois que c'est prêt, il ne me reste plus qu'à déguster mon poulet et mon quinoa. Alors c'est vrai que comme ça, ça paye pas forcément de mine, mais je vous assure que c'est vraiment une pure tuerie. Pour le goûter, vers 17h, en général, je me fais un petit thé parce que surtout là, en plus, c'est l'automne, il fait frais, il fait déjà pratiquement nuit à 17h, donc voilà, je trouve ça plaisant. Et je me prends un petit thé de chez Céliflore, celui-ci, c'est le brûle-graisse menthe pêche, il est vraiment ultra bon, je l'adore. Et avec, je me prends 3 petits biscuits healthy que j'ai fait et que je vous mettrai bientôt sur ma chaîne en vidéo. Et enfin, pour le dîner, je vais venir me faire une espèce de petite poêlée de courgettes. Donc je commence par éplucher un oignon que je vais venir ciseler grâce à cette petite merveille que j'ai trouvée à Géant, tout simplement. C'est vraiment top, il y a plusieurs embouts et là, avec une espèce de mandoline, en fait, je viens couper mon oignon en petites tranches et très très fines, c'est vraiment top. Une fois que mon oignon est coupé, je vais venir le faire pré-cuire, entre guillemets, à feu vraiment doux avec un petit peu d'huile d'olive. Et pendant ce temps, je viens m'occuper du reste de mes légumes. Donc je prends mes courgettes, j'enlève les petits bouts et ensuite je viens la trancher, pareil avec la mandoline. C'est vraiment génial cette chose que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et ça va vraiment faire des tranches super fines, vraiment toutes pareilles, de la même longueur, de la même taille. Donc du coup, ça va cuire, ça va être vraiment homogène pour la cuisson, c'est vraiment top. Une
fois que j'ai fini de couper mes courgettes, je vais venir m'occuper du poivron. Donc cette fois-ci, j'ai changé l'embout et j'ai mis des petits carrés. Du coup, je vais couper mon poivron en morceaux et je vais appuyer. Et tout simplement, ça me fait des petits cubes de poivron. Donc voilà, encore une fois, cet appareil est absolument génial. Il coûte seulement 10 euros, j'ai trouvé à Géant. Donc voilà, je suis super contente et en ce moment, je m'amuse avec ça. Je fais tout avec. Donc une fois que mes petits cubes de poivrons sont cuits, je vais venir les rajouter aux oignons qui ont commencé à caraméliser et à fondre doucement. Puisque les poivrons et les oignons sont pour moi les légumes qui vont mettre le plus de temps à cuire, donc voilà, je les fais pré-cuire tout seul 10 minutes. Et ensuite, une fois que c'est fini, je viens rajouter mes courgettes pour vraiment laisser mijoter le tout 20 minutes encore. Donc voilà, je déguste ma petite poêlée de courgettes avec un steak haché 5% de matière grasse bio. C'est un steak haché frais de chez Charal que je trouve en grande surface aussi et que j'aime vraiment beaucoup. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!